Non. Mais non. Ah, on est bien, il fait bon, les amis. Ça fait du bien. Le climat a changé. Plus de froid. Regardez ce panorama, regardez cette nature magnifique. Ça fait pas du bien, ça, les amis? Franchement, est-ce que ça fait pas du bien? Ah, un petit soleil, il fait pas très chaud, il fait pas froid. C'est excellent pour la détection, pour tout d'ailleurs, hein. Sortir en forêt, se balader. Bon, je suis avec mon collègue qui est là-haut, il veut toujours pas que je le montre, ce vilain. Eh, si tu continues, je vais courir et je vais te filmer, hein. Donc voilà les amis, regardez ce petit bois là, super, super beau, super calme, pas un bruit, c'est génial. Donc on va attaquer ici, on va voir ce que ça donne, hein, si on fait de belles découvertes, hein. Pas trop belles quand même, hein. Bon, on vient d'arriver. Et déjà, un petit son, une monnaie. Attention, tu vois quand même regarder. Bon, je vous montre ça, les amis. Bon, j'ai aussi l'ancien qui a un son, mais vu comment il se débat, à mon avis, c'est de la dope. Merci pour moi. Bon, allez, je vous montre tout de suite. Bon, j'ai déjà creusé, hein, les amis. Hein. De toute façon, voilà, on est là. Elle est ici. Le trou est là. Voilà, on va la prendre ensemble, on va frotter un petit peu. Bon, je sais ce que c'est, hein. C'est vieux, mais pas trop vieux non plus. Alors, c'est une 10 francs Mathieu qui a pris une petite couleur verdâtre. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment les 10 francs de mon enfance. Ça, c'est les typiques monnaies de mon enfance. Hein. Vraiment, fin 80... Enfin non, années 80, quoi. C'est super, c'est cool les amis. Déjà, on rentre dans ce petit bois et puis direct ça tape quoi. Ouais, c'est marrant ça. Ça, c'est pour. Bon, ça sera coupé au montage. Hein. Oh, il y a l'ancien qui a fait une. Tu as fait une monnaie. Ouais. Ah, mais c'est pas mal ça. Ah, c'est état français non? Je regarde, regarde. Je sais pas ce que c'est. État français, mon pote. Voilà. Et ça sonne à côté. Et puis coup de pelle gentil. Dessus. Ah oui, comme d'hab. Ah ouais, oh, c'est pas grave, tu sais, moi. État français, nickel. Ça, c'est pendant la Vichy, en fait. Voilà. Et là, j'ai. Attends, t'as un autre son. Ouais, c'est un autre son. État français, les amis. Une 20 francs, je pense que c'était francs, oui, oui. Juste à côté. À 20 centimes. 20 centimes état français. Et là un autre son le petit loup là. Allez, la même. Ah, c'est toi alors. Je vais essayer d'y aller doucement. Hein. Côté droit, voilà. Plus haut, voilà. Ouais. C'est bien mon gars. Alors. État français encore, ouais. Putain c'est fou, hein. C'est fou. Bah génial, ça t'en ouais. Fait deux mon ami. Ouais. Ah bah c'est cool, moi je dis c'est. Ouais, on va peut-être un petit peu tourner. Grenouille. Grenouille mon ami. Alors qu'est-ce qu'on a mon ami? T'as un son? Combien? Fais voir, on va voir. Putain 86 sur ton truc.
À cartouche à 86. Non mais je veux dire, ça peut être une... Ah oui, non mais un déchet quoi, oui. Tu nous fais une pizza. Ah oui, hein. Ah. C'est déjà pas mal. Oh, ce serait pas ça. Ah. Moi je pense que tu l'as mis là, par là. Ouais, c'est ça. C'est une boucle. Ah, une boucle en 8. La plus récente celle-là. Oh, ouais. Elle est belle. Ouais, je sais pas. Oh, c'est beau ça. C'est en argent. J'ai l'impression. Oh, je sais pas. C'est lourd. Ouais. Non, c'est pas lourd. Non, c'est pas vieux ça. Non, c'est pas vieux. Bon. C'est pas vieux, ouais, je dirais, c'est bien. Début années 50, 60 quoi. Ouais, bien. Ouais. Attends, bouge plus. Ouais, c'est pas vieux, mais c'est sympa, c'est bien. C'est un son, une découverte quoi. Allez, on continue, on avance. Il est sur un spot à bouton, le collègue. Qu'est-ce qui se passe? On est à côté de l'autre. Ah. Ah ouais, quand même. Ah, c'est infanterie. Ah, là. C'est militaire, ça. Ah, ça, c'est militaire, ouais. C'est... Ah ouais? Il y en a encore? On va regarder, hein. Ah ouais. Et avec l'étoile là, ça c'est sympa, on dirait truc américain là, non? Pas mal ça. Ouais, c'est pas mal hein. Ouais, bravo, ça. Un 20e. Ouais. Et là c'est pas du tout la même époque à mon avis. Hein. C'est pas... Et un étoile. Ouais. C'est cool ça, bravo. Ouais, c'est possible qu'il y ait d'autres choses. Hein. Bon, on va essayer de voir un peu la zone. Hein. Je vais récupérer mon détect, puis on voit ça. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que tu nous as fait du très lourd? Du très très lourd. C'est quoi ça? Non! Non! Mais non! Une montre à gousset. Ah, j'ai l'impression, mais je sais pas si c'est... Ah non, un chronomètre, non? Ou un chrono. Mais non, c'est une montre à gousset, gros, elle est fermée en plus. Non, tu vas la péter. Ouais, ouais. Oh, purée. Je sais pas comment faire. Je crois que c'est une montre à gousset, hein. J'ai l'impression que ça fait plus, tu sais, genre. Ouais, un boussole, chrono, ouais. Genre boussole, tu sais. Non, ça c'est pas une boussole, ça. Tu sais, des fois, c'est une montre à gousset, c'est une montre à gousset fermée. Ça doit être direct. Elle est fermée, et là pour remonter, je crois. Écoute, c'est ton point à l'aiguille. Putain, il est 10h15 là-bas. Si t'entends le tic-tac. Faut ah non, c'est pas une montre, c'est pas une montre, les gars. Non, moi je pense que c'est une boussole. On dirait, tu sais, une mèche. Un truc mèche, ah, un espèce de briquet. Un briquet. C'est peut-être un briquet. Les gars, c'est un briquet, ça. Ça a l'air d'être un briquet, ouais. Alors, on va demander à nos... Ouais, aux gens. Aux gens, aux personnes. Hein. Moi, je vous dis, c'est un briquet militaire. Voilà, ouais. Moi, j'annonce. Ouais, ça se pourrait, ouais. Ouais. Briquet militaire, ouais. Période 14-18. Ouais. C'est-à-dire que t'as la mèche là, ouais, et là, il tournait ça comme ça, ouais, ou vrai, tu vois, ouais. Et ouais, ça allumait. C'est très bien ce que tu dis. Voilà, moi pour moi c'est ça. Vous avez les génial. Génial, tiens, bravo mon ami. Ouais. Ah ouais, t'as raison, hein, ça doit être. Ouais, pour moi c'est ça, c'est un briquet. Ouais. Attends, bouge pas, on va faire. Ok, bon, on va continuer, on va t'as prendre quelques quoi, photos. Ici, non, ça s'ouvre pas, j'ai vu. Moi en fait, ce qui m'a intrigué, c'est le c'est mou là. Ouais, ouais. Donc c'est de la mèche. C'est une mèche et puis c'est ça. Exactement. Ouais. Ok, bon les amis, on continue en espérant trouver du lourd. Et puis voilà, bravo, bravo, cool. Ça y est, ma tricard. Les amis, j'en peux plus de l'ancien, j'en peux plus. Oh, faut bien que je rigole, hein, tu sais. Hein. Donc les potos, j'ai fait une petite découverte. Il a trouvé une pièce. Une pièce. Il est en train de nous mettre tout bon, le c'est tout pas... soin, là. Bon, c'est pas violent, mais... Oh, bah, c'est j'ai déjà creusé, donc je vais vous montrer ça. Bon, c'est classique. Mais c'est cool, c'est parce quoi, que... Quoi, je sais pas. D'été, non? Ouais, on va voir ça c'est tout de suite. Allez, je vous montre ça, les potos. Ouais, un DT, quoi. Les DT en forêt, quoi. Ils prennent lourd. Hein. Hein ouais, ils prennent lourd.
Ah, ils prennent du... Ah, quoique, non, non, l'Air de France. Ah, l'Air de France bouffé quand même. Hein. Bon, les amis, j'ai eu un son ici. Lui, je lui ai dit, attends, avant de creuser, on va filmer, il était déjà en train d'arracher la terre. Bon. Ah, pour toi, il est pas bon, Odéus ? Ouais, faut voir, regarde. Bah, écoute, attends. C'est vrai que franchement, t'as ce souci, je trouve. Sorti ? T'as vraiment ce souci de... Pas encore. Ouais, c'est par là, mais putain, vas-y, fais que ça soit une pièce et pas une... et pas un déchet, quoi. Tiens, ça a l'air d'être une pièce. Ah, alors. c'est une pièce. Ah bah c'est cool. Quoi comme pièce ? Je sais pas, liard. Moi je dirais liard, ouais. C'est toujours un peu plus large les liards, tu vois. Ouais. Hey ! Spartacus, il ouvre les hostilités. C'est ça. T'es à 88-87. C'est pas mal. Pour les viewers. Est-ce que vous êtes prêts les amis ? Accrochez-vous, est-ce que vous êtes prêts ? Parce que des fois on n'est pas prêt. Hein. Des fois on croit, on n'est pas prêt. Des fois il sort du. Lourd. Ah, du méchant. Hein. Oui ! C'est une monnaie. Une monnaie ! Ouais, bon, ça doit pas être du lourd, mais. Non. Mais c'est une monnaie. J'ai fait deux monnaies là. Ah oui! Un franc. Là, écoute. Bazar, avec l'hache. Putain, y'a plus rien derrière. Ah non, c'est Morlon. Avec la dame, c'est Morlon. Et la dame, s'il te plaît. Oui, la dame, bah, c'est une dame dessus. C'est quoi? C'est une dame, c'est la France. C'est la France, oui, mais c'est une dame, non? Oui. C'est pas un monsieur, quoi. C'est une Marianne, quoi, genre. Ouais, c'est bien. C'est cool, hein? Je trouve, c'est bien. Et attends, mon gars. C'est que moi, toi. 1941. Il n'y avait pas embrouille en 41? Ah bah 31. ça c'est du maréchal Pétain. Hein. Bon bah c'est cool. De retour. Bon, les petits gars, j'avais un son, mais j'étais pas sûr. Donc je voulais pas le filmer. Je vous l'avais dit hein, juste avant la monnaie. Mais en fait c'est bien. Regardez. Tu peux te pousser du jour, s'il te plaît. Tu seras mignon. Ouais. Merci. Eh, c'est pas mal, hein. C'est quoi? Bah, moi, je vais te dire, je pense à un robinet, non? Ouais, j'en sais. Oh, c'est pas un robinet, mon gars. Un truc de... Comment dire? Pas d'épée, mais tu sais, un poignard, une dague. Ah oui, le manche, comme ça. Il manque l'autre bout ici. Ouais, voilà. Attends. D'épée, ou ouais, il manque l'autre bout de ce côté. Et c'était un truc pour des couteaux comme ça que tu tenais, quoi. Voilà, c'est ça. Et apparemment, l'autre côté, il est cassé. Tu auras la même chose là. Bon, les amis, à nettoyer, ouais, tu vois, il y a un motif. Hein, il y a des motifs. Hein. Ouais. Bon, les amis, écoutez, je vais nettoyer ça. Donc, je vous ferai une photo quand même. Mais quand même, si vous pouvez, alors je fais participer toujours les viewers hein, à identifier ça. Ça peut être cool pour vous, pour moi. Moi, je dirais entre un robinet, soit un robinet, ce qui m'étonnerait. Robinet. Ouais, enfin, tu fais comme ça, j'en sais rien, moi, après, tu vois. Ou alors, plutôt un embout de couteau, enfin, un... Dague. Un truc de dague, ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est super, les gars, là, je suis content. Moi, j'aime bien ce genre de trouvaille. Ouais, c'est sympa. Vraiment, c'est très, très sympa. Ok, les amis, allez, on continue, on lâche rien. C'est parti, prochaine détection. Là, j'en ai marre. Ah, je suis fatigué, je peux plus. Donc les potes, j'ai fait un gros trou. Bon, j'avais un bon son, mais je préférais pas filmer. Et puis ça a duré longtemps, quoi, le fait de creuser. Donc je vais vous montrer ça. On en a déjà fait dans les précédentes vidéos. Donc je commence à les collectionner en fait. Ah oui, t'en as là. Parce que là, chaque vidéo, j'en fais une. Je sais pas, c'est bizarre. Je vous montre ça, on regarde ensemble. Allez, c'est parti. Une serpe. Serpillière, non? Non, une serpe. T'as vu, c'est fou, hein, c'est pas. Une serpe, j'irais une serpe. Comment ils m'ont appelé sur internet, je sais plus, j'ai oublié. Elle est belle, hein. Une serpe, ouais, c'est ça, je crois. Celle-là, je la connais pas, ce modèle, là. Ça, c'est pour couper la langue, pour ceux qui parlent trop. Ouais, c'est clair, mais ce modèle-là ne me dit rien du tout.
Franchement, ouais. Parce que là, t'as un Bitonio, tu vois, pour... Là, ce modèle-là, je le connais pas. Alors franchement, parce que souvent, c'est celui qui est un peu arrondi. Ouais. Tu l'as déjà vu, ce modèle? Je suis pas un spécialiste des serpes. Des serpes ou des fossiles, je sais pas comment on appelle ça. Bah, c'était profond, hein, quand même. Franchement, le trou... Bon, bah, c'est cool. Non? Bah, ouais. Bah, moi, j'aime bien, moi, ça. Il y a eu de l'activité. Moi, j'aime bien, moi, ces trucs-là, attends. Attends. Voilà, hein. Bon, on était là-bas, les cocos. Là. Fossile, enfin, serre, ou je sais pas quoi. Et mon collègue, il a... T'as quoi, t'as du lourd? Attends, mais maintenant, il faut que tu parles, hein, comme... C'est comme si je suis un journaliste, en fait. Non, je suis pas l'air d'être... Bon, tu penses quoi de... Vous pensez quoi de ce son, monsieur? Cartouche. Ah ouais, non, mais sans pointeur, gros. C'est pas possible, tiens. C'est franchement pas possible. Ah. Si. Oh, une caisse. Oh, je suis content, en plus. Hey, t'as fait ta première pièce de... Elle est belle ou pas? Ah, c'est secoué, dommage. Ouais, enfin, ça va être un DT, ça, je pense. Un liard. Un liard. Non, DT. Ah, un DT, 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 celui-là, DT. Ah, quand même, même s'il est pourri, je suis content. Ouais, en plus, en live un peu. Ouais. Non, c'est vrai, c'est cool. Bon, allez, on continue. Là, regardez, il est content, là, il parle, là. Il parle tout seul. Il est heureux comme tout. Très bon son. Sérieux? Ouais. Eh, mais lui, il va m'enchaîner. Je voulais couper en plus. T'es sérieux? Ouais. Fais voir sur ton casque. Ouais, 86. Allez, mon coco, fais-moi une belle monnaie. Non, mais l'autre, il fait des bruitages. Non, mais c'est quoi tes bruitages, là? L'autre, il fait des bruitages, les gars. Ça, on dirait... Monte pas ta tête, hein. Pourquoi tu fais des bruitages comme ça, comme si c'était... Parce que j'ai plus l'habitude de... Comme si c'était... Faire des efforts, moi. Ouais, c'est ça. Ah, hein. Horrible, hein. Bon, vous pensez qu'il va trouver quoi, les amis? Hein? Moi, je pense à... Un déchet. Non, je suis méchant. Je lui souhaite une belle monnaie en argent ou un truc comme ça. Franchement. Allez, on regarde. Allez, je vous montre ça. On va suivre ce que fait l'ancien. Ça serait bien que ça soit... Parce que tu l'as eu juste après, quoi. Ouais. Profond. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, entre les racines, en plus. Ça va pas être pratique, ton histoire. Chut, tais-toi, toi. Oh, t'es dessus, là. T'es dessus. Je vois le truc métallique. C'est une boucle, non? Ah non. Oh, ah, c'est un... Alors ça, c'est, on dit que c'est votif, on dit que c'est antique, on dit que c'est moderne, rien n'est... Ouais, vraiment, c'est vrai, rien n'est établi, quoi. Mal. Bah écoutez, voilà, ouais, on sait pas trop ce que c'est. Hein. Un anneau, voilà. Un anneau. Je dirais plutôt bronze. Ouais, c'est du bronze, ça, ouais. Plutôt bronze, mais bon, normal, bon son, hein, t'avais raison. Ouais, bon son. Ah bah tu m'étonnes, ouais, ça sonne super bien ça. Bon bah ok, écoute, tiens. Écoute, on va continuer et puis on va voir, et puis ça ressonne. Bon les amis, ça va être la fin de cette vidéo détect. Bon, avec l'ancien, on a fait pas mal de trouvailles quand même. Bon, je pense que le collègue là, il nous a un petit peu fumé sur les trouvailles. Alors par contre, je vais faire un petit jeu. Alors le petit objet que j'ai trouvé dans cette vidéo, je vous mets la photo ici. Alors le premier qui découvrira ce que c'est pourra le mettre dans le commentaire sous la vidéo. Alors bien sûr, c'est pas la peine de mettre juste voilà, c'est un manchon de couteau et puis vous avez gagné. Non. Je vais aussi mettre dans la description mon Facebook, vous l'avez déjà mais je vais le remettre. Et bien sûr, pour découvrir la personne qui va faire des recherches, qui va découvrir ce que c'est réellement, il faudra qu'il m'envoie une petite photo sur mon Facebook en me montrant que ça ressemble à peu près à un couteau ou à un morceau de robinet, enfin voilà, peu importe. Donc petit concours à celui qui va trouver ce que c'est cet objet.
Je ferai gagner à celui qui va trouver ce petit lot de stylos nettoyeurs. Il y a un produit, il y a des stylos. C'est tout nouveau en plus, ça vient de sortir. C'est très très efficace. Donc voilà, je ferai gagner ce lot de stylos à la personne qui découvrira l'objet en question, l'objet mystère. Donc en tout cas les amis, merci de me suivre. N'hésitez pas, n'oubliez pas aussi, petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, qui fait évoluer et avancer ma chaîne. Donc je vous remercie mille fois de me suivre, de liker, de partager. Moi et mon collègue, on vous remercie. On se retrouve très prochainement pour une super vidéo détection. Merci beaucoup, salut les potos. We'll be right back.